Oya ye tulibe na muntu Nazai wabalenge laba kushinda diminu Oya ye tulibe na muntu Yalele ninja kusenga kasai wabalenge Kasai wabalenge la tulibe na muntu Nazai wabalenge laba kushinda diminu Oya ye tulibe na muntu Tulaburka na ngamalandi wa shina Oya ye tulibe na muntu Mujimai dipingi wa kumbilanji Oya ye tulibe na muntu Kasai wabalenge la kasai wabalenge Kasai wabalenge la tulibe na muntu Kasai wabalenge la bagushinda diminu Oya ye tulibe na muntu Kalonji kamu kuna neka chibanda Oya ye tulibe na muntu Makungoya marenga newe mundwana Oya ye tulibe na muntu Andanjika ya bilomu nebe na tubeya Oya ye tulibe na muntu Nenube na chinena nebe na kwamba Oya ye tulibe na muntu Itaka vya milemba ne mwena mkola Oya ye tulibe na muntu Kaseki wa mulogumbu nebe na puja Oya ye tulibe na muntu Kasai wabalenge la kasai wabalenge la Teleja etu nondila tulibe na muntu Kasai wabalenge la bangu shinta dimimu Je sais pas pourquoi est-ce que ça doit toujours revenir et pourquoi est-ce que c'est toujours sur le kasaïen que c'est là qu'il doit c'est-à-dire c'est seulement sur eux qu'il doit porter ce réveil. Mais quand on essaie un peu d'observer, c'est-à-dire maintenant, est-ce que c'est un problème tribal ou bien c'est un problème de la haine, mais qui est en train d'haïr l'autre? Parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire jusque-là, moi je n'ai pas vraiment enregistré de ma petite expérience, je n'ai pas vu comment est-ce que le Kasaïen aussi dans sa vie, il a pu aussi faire la même chose que ce qui lui a été fait. Par contre, nous sommes restés ouverts, nous avons travaillé ensemble avec tout le monde et jusqu'à ce que cette histoire ait surgi aujourd'hui. La question que se pose, le tribalisme, c'est bon ou bien c'est mauvais? Pourquoi est-ce que cette histoire de tribalisme a surgi? Mais moi, ce que je comprends, parce que tout en étant au Kasaï, j'ai aussi sillonné un peu dans les deux Kasaï. J'ai été à Masuka, j'ai été à Chikapa, j'ai été du côté de Kibou, un peu partout, et je n'ai pas vu un endroit où vous vous sentez repoussé. Partout où vous arrivez, on vous accueille comme un frère, et on vous aide, on vous assiste dans ce que vous êtes en train de faire pour rentrer dans votre dans en fait, là où vous restez. Mais maintenant, comment se fait-il que quand on n'est pas dans ce contexte-là, c'est-à-dire vous avez trouvé que ces gens étaient vraiment émus, et j'ai toujours aimé, chaque fois quand vous rentrez, c'est-à-dire, comme exemple, je suis à mon édit, je vais à ma suite. Et quand je suis en train de rentrer, si vous vous rencontrez en cours de route avec le vélo, vous allez, l'autre va vous saluer et dit, Tato, j'y vais tout. C'est-à-dire, vous vous sentez que ah, je suis en train de rentrer chez moi et il y a quelqu'un qui vient de là et il me dit comment est-ce que les choses vont là. J'y vais tout. Avec cette fierté, c'est-à-dire, c'est pas un peuple qui refuse ce que nous. Ce n'est pas un peuple qui ne veut pas rester là où il est, mais c'est un peuple qui est fier, malheureusement, avec la politique et cette histoire de l'économie. On ne sait pas comment est-ce qu'on n'arrive pas à désenclaver l'emploi. Et par conséquent, pour des raisons économiques, on se retrouve éparpillé un peu dans tout le Congo, juste pour la survie. C'est-à-dire, c'est sous bas de cette survie-là que nous nous retrouvons presque dans toutes les provinces. Mais bien qu'on se retrouve dans toutes les provinces, on n'a pas oublié d'où nous venons, et nous venons du passant, et tout le monde fait l'effort pour dire que non, 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 ça je peux rentrer chez nous un peu éventuellement. Oui, il veut faire l'argent, bien sûr, mais quand nous amenons, c'est parce que tout en étant enclavé, mais au moins, on peut arriver à apporter quelque chose pour assurer quand même la vie, pour ceux-là qui sont restés là-bas et qui n'arrivent pas, eux, à se déplacer. C'est-à-dire, je sens que je trouve dans ça une fierté. Et cette langue, moi je l'apporte à cœur. Malheureusement, je suis en train d'apprendre encore comment parler cette langue.
Et beaucoup de gens qui sont dans la salle qui me connaissent, ceux-là qui parlent de Tchouba, je leur dis toujours, parlez-moi en Tchouba parce que je voudrais apprendre cette langue. Je voudrais vraiment maîtriser cette langue. Parce que c'est sur base de cette langue que moi je voyageais de Lubumbashi jusqu'à l'Afrique du Sud. Juste avec la langue, partout où j'étais, pour le petit que... Une minute, hein? Oui. Ok, j'ai conclu. Oui, oui. Alors, juste avec la langue, je suis arrivé jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc, le tribalisme en soi, peut-être c'est une machination, une manipulation, et surtout sous le cadre politique, ceux-là qui sont en train de tirer des ficelles. Mais en soi, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que le Kassanien, c'est un peuple tribal, ou pourquoi est-ce que nous devons parler du tribalisme dans le mauvais sens. Mais du moins, je vous l'ai dit, pour moi, selon mon opinion, parce que nous sommes unis, parce que nous sommes entrepreneurs, parce que nous voulons faire quelque chose pour nous-mêmes, et chaque fois, pour nous empêcher à travailler ensemble, on a toujours jeté ça comme une poêle dans la soupe, pour nous empêcher que nous puissions nous souder et aller de l'avant. Et quand on dit seulement que non, pourquoi est-ce que vous avez choisi seulement vos frères, vous êtes les bas. Et là, nous sentons obligés de rentrer derrière, alors qu'on ne devait pas. Parce qu'il n'y a pas une connotation négative derrière le tribalisme, nous ne devons pas avoir peur de choisir le nôtre, mais nous devons partir de notre pour pouvoir servir les autres. Alors que ce qu'ils veulent, ou ce que une façon de nous empêcher, c'est quand je veux faire quelque chose avec mon frère, on dit non, voilà, ils se sont mal regroupés entre eux, et là, qu'est-ce qu'on se sent obligé, sans justification, de repousser, et on laisse le projet tomber. Mais tout le projet qu'on a laissé tomber, aujourd'hui, le Kassai est ce qu'il est, par peur que nous ne puissions pas être taxés du tribalisme. Merci. Je voudrais. Excusez, nous avons le temps à respecter, donc nous allons demander à ceux qui nous présentent les thématiques ici d'être un peu plus brefs. Mais la question de savoir dans le tribalisme, c'est la question principale que moi je voudrais poser à Kana. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que le tribalisme? C'est quoi effectivement le tribalisme? Pour moi, le tribalisme, c'est... Oui, pardon, c'est déjà pas. Pour moi, le tribalisme, c'est la fierté d'un peuple. Je ne vois pas quelque chose de mal dans ça. Oui, maman. J'ai en train de secouer ma tête quand il disait qu'il n'y a pas de connotation négative au tribalisme. Non, c'est négatif. La tribu, oui. Pas le tribalisme. C'est pour répondre à la question. Le tribalisme, c'est quand vous haïssez quelqu'un d'autre à cause de sa tribu. C'est ça le tribalisme. Arrêtons-nous un peu là-bas, parce que c'est une discussion. Oui. Le tribalisme, c'est un vice dans le militarisme. C'est-à-dire quoi? Le tribalisme est né du fait que moi je suis Mounande et je prends tout autour de moi les Banangais. C'est ça le tribalisme. Donc je prends tous ceux qui sont, quand je suis gouverneur, le tribalisme c'est le fait à ce que je m'entoure avec les gens de ma tribu, qu'ils soient compétents ou non, je m'entoure avec ces gens-là. C'est ça le tribalisme. Ne le confondons pas, comme vous l'aviez dit, avec le tribu. Nous allons prendre l'exemple. Pourquoi Mobutu avait dit combattons le tribalisme? Mobutu avait dit que lorsque vous êtes ministre dans votre cabinet, ne vous retrouvez pas avec beaucoup de gens de vos frères. C'est ça le tribalisme. Et c'est là où nous devons comprendre, j'espère. Si nous pouvons nous fixer là-bas, alors nous pouvons évoluer. Je ne sais pas si à un moment vous avez eu. Non. Comparer le tribalisme avec le racisme. Le racisme, c'est quoi? C'est quand on détruit d'autres parce qu'ils ne sont pas de notre race. C'est ça le racisme. Ce n'est pas que moi, les blancs, si vous dites comme ça, non, les blancs sont des racistes. Parce que les blancs. C'est le tribalisme. Je compare pour vous comprendre. Parallélisme. C'est le parallélisme. Les impérialistes, ils ont fait leur bloc pour conquérir le monde entier, contrôler toutes les recettes. Entre eux, vous n'êtes pas là. Oui. Et ils vous détruisent
parce que vous êtes d'une autre race. Donc, le racisme, c'est haïr l'autre personne juste parce qu'il est d'une autre race. C'est ça justement, comme je disais, le tribalisme, c'est le fait de favoriser les gens de votre tribu tout autour de toi. Et ça, on va te taxer du tribaliste. C'est l'une des aspects du tribalisme. Ce que vous suggérez là, c'est l'une des aspects. Il y en a beaucoup. Ok. Il y en a beaucoup. Bon, voilà, donc je crois que nous avons compris qu'est-ce que le tribalisme. Est-ce que je peux donner un exemple? Oui, est-ce que maintenant, partant de ce que nous nous sommes dit, que nous haïssons ou bien nous choisissons les gens les qui de ma tribu. Discrimination. Je discrimine, que ce soit Azam Mayel ou quoi que ce soit, mais dès qu'il est de mon tribu, je le mets à mes côtés. Est-ce que le Kassayer se retrouve dans ces gens-là? C'est ça la question. Non? Le Kassayer a-t-il travaillé avec, tout simplement avec les gens qui sont tout autour de lui, ou bien le Kassayer a voulu être avec tout le monde? Ça, c'est la question qui vous est posée ici. C'est à vous maintenant. Je peux intervenir. Vous savez, c'est bien de dire que non, on doit être avec tout le monde. Ce qui n'est pas possible parce que vous ne devez pas trouver votre travail avec tout le monde. Vous commencez quelque part. Maintenant, pour commencer quelque part, je commence avec les cas, avec les acquaintances, les gens qui sont dans le parage. Maintenant, moi je n'ai plus que ça. Si je trouve dans mon entourage, je trouve des gens compétents parmi eux, pourquoi je dois refuser de le prendre juste parce qu'ils sont de ma tribu? Je ne pense pas qu'on va être taxé de tribaliste à cause de ça. Parce que c'est un problème de mérite. Au moins, comme maman l'a souligné, si on prend quelqu'un juste parce qu'il est Mouloba, au détriment de quelqu'un qui devait être là, qu'on a mis à côté, qui est compétent, là c'est une mauvaise cotation, on comprend ça. Mais si vous me demandez de travailler, maintenant là, si je veux travailler, je connais quelqu'un, qu'est-ce que je peux appeler? Non, je peux appeler papa, je peux faire ceci. Non, je connais maman quand. Ça, ce sont des numéros que j'ai. Si j'appelle maintenant, si maman quand n'a pas vu mon appel, n'a pas vu ça maintenant, avant qu'il soit le soir, elle va me rappeler. Maintenant, si j'appelle quelqu'un que je ne connais pas, bien qu'il doit être. Il a le mérite. Si c'est monsieur, c'est qui il m'appelle pourquoi? Peut-être qu'il ne va pas me rappeler. C'est-à-dire, vous me demandez de commencer, mais je dois commencer quelque part. Moi, je trouve, je comprends ça, et ça, pour moi, cette histoire de tribalisme, dans le cadre académique, ça se comprend. Parce que c'est toujours cette manière de voir les choses selon les Européens. Malheureusement, moi, je ne suis pas Européen et je ne souscris pas à leur manière de voir les choses. En tant que Congolais, en tant que Mouloua, je vois les choses par rapport à mon paradigme. C'est-à-dire, je fais par rapport avec le moyen que moi j'ai. C'est-à-dire, je ne peux pas, moi, chercher à me caricaturer ou bien chercher à, c'est pas le terme, mais en anglais on dit, to fit the way les Européens sont en train de passer sur moi. C'est ça qu'on a fait parce que nous avons trouvé, moi j'ai été dans tous les deux Kassai, à vélo, c'est pas dans un camion, à vélo, je croisais tout le monde, les tétés là, les gens de moi, quand j'étais à l'équipe, parce qu'il n'y a nulle part où on m'a traité, il dit que non, elle ne vient pas chez vous. Je suis arrivé à l'équipe ou dans un village où on nous a reçus dans cette maison, et le lendemain, tout le monde dans le village, ils sont en train de se tirer. Non, non, non. Je peux vous relancer. Permettez, je peux vous relancer. Permettez, je termine. Il commence à se battre, il dit non, mais vous l'avez reçu hier, laissez qu'ils viennent aussi. Rester dans notre maison. C'est-à-dire, ils conçoivent dans leur tête que recevoir un étranger dans sa maison, c'est une bénédiction. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous allez me demander que non, moi je ne dois pas traiter avec ces gens, ils trouvent que ce sont mes frères, et moi je dois essayer de suivre ce que l'homme lui prescrit comme la manière de vivre dans la relance que je veux vous faire, monsieur Canon Poulissé, le fait. Ce n'est pas les relations naturelles. Le tribalisme, ce n'est pas les relations naturelles. Le tribalisme, c'est dans les fonctions, l'exercice des fonctions publiques. Nous ne sommes pas tribalistes lorsque nous sommes chez le Balouba. Nous ne sommes pas tribalistes. Mais le tribalisme arrive lorsque vous êtes à la tête d'un État, à la tête d'une fonction,
Et là, maintenant, vous choisissez les gens qui sont de votre obédience tribale. C'est ça qu'on appelle le tribalisme. Je ne sais pas. S'il vous plaît. Oui. Il y a d'autres aspects que vous oubliez aussi. Je vais donner un exemple. Oui. Je suis du Grand Kassai. Alors, quand je suis célibataire, j'ai voulu épouser. Ça, c'est le sur le plan mariage. J'ai voulu épouser une fille de Katata. Parce que j'ai voulu aussi là-bas. Elle me dira catégoriquement que mon père m'a dit que je ne peux pas épouser un Kassai. Vous comprenez? C'est, je ne sais pas si vous appelez ça fonction publique ou... Non, ça c'est ça. J'ai dit relation naturelle. Ça, ce n'est pas le tribalisme. Ça, nous sommes dans les relations naturelles. Ce n'est pas du tribalisme. Mais il y a trop d'aspects sur le tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme. Lorsque nous définissons le tribalisme, nous allons le prendre dans les fonctions. Non, mais prenez pas seulement dans un seul aspect. Le tribalisme aussi. Le tribalisme. Aujourd'hui, ce n'était pas que parce que Fatih est au pouvoir que les tribalismes ont commencé. Ça a commencé, c'est parce que si tu demandes à Katangé, pourquoi vous avez essayé Kassai, il ne faut pas te donner un motif clair. Il veut dire que non, Kassai même des poivres. Il nous a envoyé cette image, les chefs, il y a des... N'arrivons pas d'abord là-bas. Limitons-nous. Je crois que nous devons cerner le sujet. Yeah. Limitons-nous à qu'est-ce que le tribalisme dans les fonctions publiques, dans la fonction publique. Oui, c'est cela. Parce que moi, je vais vous dire ceci. Chez nous, les bananes, tu ne peux pas épouser une fille Emma. Ou bien une fille Emma ne peut pas épouser un garçon Nandé. Ça, ce sont des conflits tribaux. Ce n'est pas du tribalisme. C'est ça, nous sommes dans, dans la société. C'est le tribalisme. Ça, c'est le tribalisme. Non. Je ne veux pas que vous preniez le tribalisme dans un mauvais contexte. Non. Mais vous voulez vous focaliser dans un seul aspect. Le tribalisme. Fonction publique. Mais s'il n'y a pas fonction publique, il n'y aura pas de tribalisme. Non, nous avons des conflits de tribus qui existent. Oui, c'est-à-dire que vous préférez vous-même voir ici les autres. C'est ça le tribalisme. Ok, mais maintenant, elle est venue comment? Elle est venue comment? C'est là où nous devons nous poser. Voilà. Elle est venue comment? Voilà. Il y a eu des conflits tribaux parce que vous allez à Missiro là-bas où il y a là où il y a des guerres là-bas, il y a les tribus qui s'entretuent entre eux. C'est du tribalisme ou bien ce sont des conflits tribaux. Mais le tribalisme, selon ce que nos pères, le Mobutu et les autres ont prononcé sur ce mot-là, je crois qu'elle est venue du fait que dans la fonction publique, vous allez voir, par exemple, vous allez au ministère des Affaires étrangères, si le ministre c'est un Mourouba, vous allez trouver Chilouba parler partout. Par ce ministère-là. C'est ça le tribalisme. Et si vous trouvez aussi le ministre Nandé, vous trouvez vous aussi. Vous trouvez le Banandé, c'est ça qu'on a évité. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Si nous voulons aller sur le plan étymologique, et dire l'éthisme, quand on dit Dieu Mobutu, c'est cela que vous a donné Mobutu. Et vous faites ce que Mobutu dit. Quand on dit le tribalisme, nous voyons les loups du Katanga ou le Katangé, vous font le tribalisme, cela veut dire. Ils haïssent, comme Amba vient de dire, d'autres tribus, qui est les Kassaïens, comme les racismes ici. Est-ce que nous pouvons terminer cette haine tribale? Oui, on peut terminer ça, mais la façon dont vous prenez le tribalisme, vous nous amenez dans un seul aspect, et vous laissez les autres, parce que c'est pas le tribalisme, c'est le tribalisme. Ok, moi je me pose la question maintenant, est-ce que nous pouvons terminer les conflits tribaux? Yes, ça peut être terminé par une certaine politique, n'est-ce pas? La politique de cette. Kana Koumbia dit ceci, tous les villages qu'il a traversés, il n'a pas vu quelqu'un le réprimer, le dire que non, rentre chez toi. Cette histoire-là n'existe pas. Mais lorsque vous arrivez. Où c'est? Non, partout il est passé. Dans le Kassai. Dans le Kassai, partout. Oui, mais lorsque vous arrivez dans d'autres régions. Vous trouvez que d'autres personnes vont commencer à se dire « Ah, celui-ci parle de quel langue ?»« Non, c'est un Congolais, mais il vient du Kassai. » Comment les gens vont s'interroger? Balou Bawana. Mais maintenant, vous allez voir par exemple les Lendu et les Emma qui se haïssent d'une façon terrible.
comment pourrons-nous trouver? Ne nous limitons pas tout simplement au Kassaïen, parce que c'est un problème général. Oui, bon. Merci. Oui, il faut toujours aller à la source du problème. Oui. Parce que si vous arrachez seulement les fruits, les feuilles, oui, d'autres vont pousser. C'est parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la haine contre les Kassaïens. Nous pouvons citer des documents historiques, parce que c'est historique. Ce n'est pas une haine naturelle. C'est quelque chose qui a été implanté dans les gens par les tribalistes. Que quand on a des émotions très intenses là, les conséquences là, on transmet ça à la génération suivante. Donc, eux maintenant, cette haine, ils ont hérité ça de leurs ancêtres. Ils ne savent pas pourquoi ils haïssent. C'est pour dire que c'est très profond. C'est très profond. C'est seulement quand nous allons comprendre qu'en nous unissant, nous allons sauver le Congo, nous allons faire taire cette haine-là. Ok, maman, nous avons assez parlé du tribalisme, n'est-ce pas? Nous avons compris ce que c'est le tribalisme. Nous allons, je crois, passer à la deuxième thématique. Est-ce que je peux faire une petite mise au point? Exactement. Mais quand on parle que le Kassaïen est tribal, je voulais poser la question, est-ce qu'il y a une tribu au Kassaï appelée Kassaï? Il n'y a pas une tribu appelée Kassaï. Et pourquoi on doit mettre tous les Kassaïens dans un même basket, dire que les Kassaïens sont tribaux? Donc les Kassaïens, selon vous, n'est pas... Dans nous, dans les Kassaïens, il y a combien de tribus? Plusieurs tribus. Il n'y a pas une tribu. Il n'y a pas seulement les Kassaïens. Selon vous, selon la définition que nous avions prise ici, le Kassaïen, d'abord, ce n'est pas une tribu. Non, les Kassaïens, ce n'est pas... Ce n'est pas une tribu, il n'y a pas de tribalisme. C'est la province. C'est la province. Donc, il n'y a pas de tribalisme. Appelez les Kassaïens tribalistes dans les... Est-ce que parmi les dirigeants qui ont succédé, qui ont dirigé notre pays, excusez-moi de revenir sur ça, parce que c'est là où notre pays se divise. Le tribalisme, c'est au niveau de l'État. Ce n'est pas au niveau du tribu. Le conflit des tribus, écoutez, le conflit des tribus existe. Ce n'est pas simplement, oh non, Abali Moulouba, oh, ça existe. Le Barega ne marie jamais le Banyamulenge, tout ça. Les conflits tribaux existent. Mais là où se trouve le tribalisme, selon ce que moi, mon entendement, je crois que c'est dans la gestion de notre pays. Je suis faux. Non. Je vous pose la question. Dans le gouvernement Kizenga, vous êtes passé à la primature et attendre les mounes tout par là. Vous êtes au courant de ça? Il n'y avait que les Mounoukoutouba. Donc il y avait du tribalisme. Personne n'en a parlé. Non, nous ne sommes pas encore là, papa. Nous avons... Dans le gouvernement de Tshisekedi, il y en a un. Combien de Kassaïens étaient là? Écoutez, Gilbert, nous ne sommes pas encore là. Nous sommes en train de nous dire, est-ce que dans les dirigeants de Balouba qui ont passé, avaient-ils manifesté cette... La préférence. Non, et non. Pourquoi? Donc, il n'y en avait pas. Regardez par exemple la Ligue Sacrée. Quand vous êtes de l'INC, on vous demande le ministre, vous déléguez le Balouba. Vous êtes dans l'MRC, on vous demande le ministre, vous déléguez le Balouba. Okay. Donc c'est tout le monde maintenant dans le gouvernement majoritaire pour dire que c'est le tribalisme. Selon notre constitution, j'espère que nous sommes d'accord, selon notre constitution, nous avions dit que nous devons aussi voir le régionalisme, comment est-ce que nous allons partager, diriger le pays. Moi, je pense. En conclusion, est-ce que, parce que nous n'allons pas, il y a encore trois personnes qui doivent parler, nous allons vous donner 2 minutes, oui. Et je ne sais pas, quelqu'un, 2 minutes, et vous 2 minutes, hein, pour conclure à la question de savoir, est-ce que les dirigeants qui ont passé et actuellement, sont-ils des tribalismes selon la gouvernance du pays? Non. Ok. Moi je pense. Il y a des grandes institutions comme nous avons le Sénat qui n'est pas dirigé par un Kassaïen, l'Assemblée nationale n'est pas dirigée. Ce sont ces grandes institutions. La primature. Donc selon vous, le Moulouba n'est pas tribaliste. Permettez. Moi je pense. D'abord, il faut dissocier le tribalisme avec la fonction publique. Parce que quand vous mettez les deux pour chercher à parler du tribalisme,
ça dévie un peu quoi, le sujet. Ça, c'est un. De deux, c'est seulement ce genre de leader qui n'arrive pas à fédérer les gens autour de leurs idées, qui s'appuie sur cette corde du tribalisme. Et c'est ce qui fait que quand ça sort, ce n'est pas du tribalisme, mais plutôt c'est du populisme. Vous essayez de ressortir quelque chose avec manipulation pour qu'on puisse haïr quelqu'un d'autre. Parce que si c'était du tribalisme de sang, ou bien de dire que non, voilà, les Katangais nous haïssent, nous les Kassaïens, mais ça ne devait pas être momentané. Okay, donc on est parti de 60, on a endormi la chose, on est resté calme en harmonie, 90 est revenu, et puis nous sommes restés encore calmes et sans problème, et puis là ça part. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens, ceux-là qui s'appellent leaders politiques, mm-hmm. qui n'arrivent pas à faire fédérer leurs idées okay. à la masse, qui s'appuient sur cette corde, et tout en parlant du tribalisme, je ne pense pas que c'est du tribalisme. Ok. Papa? Oui, papa. Jusque là, je ne me sens pas qu'on a abordé ce point du tribalisme dans un bon sens qu'on s'attendait à avoir connu comme tribalisme. Parce mm-hmm. que quand vous penchez sur le côté fonction publique, pour moi, c'est comme si je suis hors sujet. Mm-hmm. S'il vous plaît. Vous savez une chose avec les Kassaïens ne sont pas tribalistes. Je suis d'abord exemplaire. J'ai épousé une femme de Kisangani. Et je pense que papa aussi a épousé une femme de. Le quater, c'est bien. Le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État lui-même. Pour dire ceci. Parce que ce que j'ai. Moi, ce que j'ai dans mon cœur pour cette affaire de tribalisme est accentué surtout chez nos frères du Katanga. Qui veulent de toutes les façons détruire les Kassaïens et les chasser de la province du Katanga. C'est là où il y a le problème. Parce que les Bandundu et les autres, il y a des soupçons, il y a des gisements, comme on peut dire, je ne sais pas si je viens de dire le mot. Mais nous parlons du Katangé, Kassaïen, Kassaïen, Katangé. Parce que les gens mènent à Lubumbashi, au Katanga, par-ci, par-là, c'est nos frères Kassaïens. Mais si tu demandes les Katangé, quel est le problème, quel est votre motif? Pourquoi vous ne voulez pas les Kassaïens sur votre sol? Ils vont vous dire que non, qu'ils doivent seulement partir. Il n'y a pas de raison favorable. Papa, le président de la République, ami de tout le monde comme son père, il a eu le pouvoir et les Kassaïens ont été maltraités à Bandundu, au Katanga et autres, c'est ce sont Katangé. Maintenant, je demande une question au Katangé. Maintenant, si les Kassaïens quittaient le sol Katangé, quel sera leur mécanisme? Est-ce que vous pensez que ce qu'ont subi les Kassaïens dans le Bandundu, est-ce que c'est le tribalisme ou bien c'est le conflit tribaux? C'est le conflit, c'est-à-dire qu'un tribu, dans son isme, là, il pense que non, les Balouba, Bazar, Batumoko, Boué. Est-ce que c'est du tribalisme ou bien ce sont des conflits tribaux normaux? C'est du tribalisme, clair, mon frère. C'est du tribalisme. Okay. C'est bon. Cela veut dire, comme maman vient de dire là, c'est quelqu'un de l'autre tribu qui haïsse l'autre de l'autre tribu. Je ne t'aime pas parce que tu es Nandé, je ne t'aime pas parce que tu es Katangé. C'est simple. C'est ça le tribalisme, mon frère. Quand nous allons sur le plan public, la fonction publique, là, ça risque de perdre le sens du tribalisme. Le sens du tribalisme est que je ne t'aime pas parce que tu es de l'autre tribu. On nous taxe de tout et de rien. Et tous les mots. Yeah. Mais les Moulouba n'ont jamais riposté sur ça. Vous pouvez faire des recherches, vous allez en mouchement et vous trouvez des Katangais qui opèrent. Ils ont même des femmes Kimoula avec des femmes Kassaïens. Lorsque nous sommes en train de parler du tribalisme, est-ce que c'est à cause des conflits tribaux? Ou bien c'est à cause. Quelle est la cause, maman? La haine. La haine. La manipulation politique. Par les politiciens. Ok. Maman vient d'épingler quelque chose pour terminer. Maman vient d'épingler quelque chose sur le plan machiavélique de Belge. Oui. De diviser pour mieux régner. Ça s'est fait au Rwanda, au Congo, au Nigeria, voire même dans les pays. Si nous avons les Kosa et les Zoulous. Ils ne s'attendent pas. Alors les impérialistes nous ont amené cette affaire pour diviser pour mieux régner. Okay. Ça. Ok.
Ok, papa, excusez. Bon, je voudrais seulement ajouter dans le même sens, parce que je vois qu'on se focalise, vous pouvez dire, se focaliser sur le tribalisme, sur le plan des fonctions publiques du travail. Mais si nous allons même dans le même sens que maman quand on va parler ici, dans le sens du tribalisme par rapport à la haine, même si je suis ministre ou bien je suis des fonctions publiques, si j'ai le tribalisme en tant que Kassaïen, même si je trouve quelqu'un d'autre, comme je l'aime, je n'aime pas une autre tribu, même s'il est compétent, je vais m'entourer toujours de mes frères. Ce que nous voulons partir, c'est vraiment partir que le tribalisme, c'est d'abord la haine là, que l'on a vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Okay. Maintenant, même quand je suis nommé, lui est compétent, mais je ne peux pas le prendre. Et là, vous êtes tribaliste. Je suis tribaliste. Si je veux maintenant. Alors, selon vous, quelle peut être la solution à terminer ce conflit-là? Qu'est-ce que nous pouvons faire? La politique, excusez-moi, entre guillemets, la politique que nous devons adopter pour terminer le tribalisme? Le mécanisme. Oui. La première des choses, c'est l'amour que nous avons. On doit s'aimer en tant que même peuple. Mais nous avons les églises, papa. Les églises nous enseignent. Est-ce que pendant tout ce temps, nous avions des églises? Est-ce que le Congolais est arrivé à s'aimer? Il y a des pasteurs tribalistes aussi. Et c'est ce que j'ai dit. Donc, quand vous parlez de l'amour, moi, je ne vois pas de solution là-bas. Moi, je ne trouve pas que ça peut être une solution. C'est une grande solution. Non, écoutez, parce que nous sommes déjà, nous avons à peu près 10 000 d'églises qui prêchent l'amour. Mais on peut prêcher à quelqu'un, mais la personne n'est pas. C'est ce que j'ai dit. Donc, cette solution-là, d'avoir l'amour, c'est pas la solution. Qu'est-ce que le gouvernant actuellement? La question, c'est celle-là. Maman a abordé, si je peux prendre la parole, maman avait abordé l'histoire pour dire que non. Il faut aller à la source. À la source, oui. Il faut aller à la source. Mm-hmm. Et lui, elle plutôt, en tant que médecin, elle connaît que si déjà le diagnostic est mal fait, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avancer. C'est-à-dire, faisons un diagnostic correct, mais au moins pour la petite histoire. J'ai vécu le refoulement de mon âme en deux. Dans ce refoulement, toutes les réunions que le Katangé tenait, ce sont les autres tribus que eux pensaient, c'est-à-dire le Luba du Katanga, ensemble avec les autres tribus. Est-ce que nous pouvons aller un peu dans les solutions, s'il vous plaît, parce que oui, mais le diagnostic pour donner une solution. Oui. Parlez maintenant de la solution. Non, mais comment je prends la solution sans que je puisse mettre le fondement de contexte? Nous avons compris que l'historicité... Permettez que je termine, parce que là, vous me mettez le monde à la bouche. Permettez que je termine. Je suis en train d'argumenter. Je suis avec ce genre. C'est-à-dire, il y a le Luba de Katanga, qui sont nos frères, par Saralubangu, ensemble avec les autres tribus du Katanga. Chaque fois qu'ils faisaient des réunions, c'est-à-dire le Hund, les Sanga et les autres là, sortaient de cette réunion et ils nous avisaient, nous, ce qui devait se faire là. C'est-à-dire, même le Katangé eux-mêmes n'étaient pas d'accord de ce qui devait se faire. Le seul peuple qui était d'accord, c'était le Luba du Katanga, qui devait influencer les autres pour pouvoir chasser. Nous avons compris la source. Mais maintenant, nous sommes dans la solution. Parce qu'aujourd'hui... Je suis en train de formuler, mais vous me coupez. Permettez que je termine. Non, c'est peut-être le temps. Oui, je comprends. Je voulais faire ça pour ménage, dire ce que je voulais dire. Oui. Parce que je m'appuie sur ce que maman a parlé sur le diagnostic. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, même le Katangé eux-mêmes n'étaient pas d'accord de chasser le Luba. Mais ce sont le Luba du Katanga et le Luba du Kassai qui se battaient sur le sol Katangé. Mais il y a un problème entre le Luba du Katanga et le Luba du Kassai qui parle de Samalubangu. C'est-à-dire, mettez ces gens-là ensemble pour qu'ils nous résolvent ce problème-là. C'est-à-dire, on n'aura pas ce qui suit par la suite. Donc, selon vous, on doit prendre les Samalubangu. C'est-à-dire le Luba du Katanga et le Luba du Kassai viennent de Samalubangu. De se mettre ensemble. Oui. Pour qu'on trouve une solution. Parce que on a une solution. Ça c'est déjà fait, mais ça n'a pas eu de pas. Ok. Non, ça dépend de ce qu'on a fait. Non, tout le monde commence à faire ça.
sa manière, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'était politisé ce que vous dites là, qu'on avait fait, ça n'a pas eu de solution. Bah, pourquoi bon, je n'ai pas de ça? Je peux vous poser une question. Allez-y. Vous aviez parlé de Balouba, les Sangabalouba. Est-ce que vous connaissez les notables qui peuvent représenter cette... Nous avons nos aînés. Vous avez vos aînés. Est-ce que vos aînés ont-ils vraiment... sont conscients que le problème est là? Là, vous demandez qu'on réponde à leur place. Non, parce que vous aviez dit... Je vais répondre sur votre question et puis donner ma proposition comme solution. Mm-hmm. Pour vous dire, oui, j'ai vu Kémy Kambali qui a réuni le gens de nos frères Louba du Katanga, à Kinshasa. Ils se sont réunis, ils ont fait un mémo, ils ont signé ensemble. Alors là, maintenant, je pense qu'ils ont fait au niveau politique. Maintenant, il faut le faire au niveau culturel, des anciens, du coutume. Il faut au niveau coutumier. Vous comprenez? Là, maintenant, ils doivent faire peut-être signer des pactes. Donc, il y a des cérémonies. Il faut faire des cérémonies au niveau coutumier. Okay. Vous comprenez? Alors là, nous pouvons atteindre ce point-là. Maintenant, moi, je viens maintenant au niveau. De la société. Ok. Hein? De la société, maintenant, moi, je parle qu'il faut faire une loi qui condamne le tribalisme. Merci. Si on vote une loi qui se dit que si on te traite dans tes dires propos de ton tribalisme ou quoi, tu fais 3 ans de prison ferme. Non, 3 ans, c'est peu. Ou 5 ans de prison ferme. 20 ans. Ouais, 20 ans. Vous allez voir. Non, je vous dis. Tout Congolais va se remettre. Pourquoi j'ai dit 20 ans si, pour ne pas vous arrêter. Hein? Pourquoi j'ai dit que la loi doit être dure? Nous sommes ici en Afrique d'ici. Vous savez. La peine qu'on octroie à quelqu'un qui a frauduleusement fait une fraude de papier, par exemple, vous avez usage de faux. C'est 25 ans. Donc nous pouvons aussi aller à 20 ans ou 25 ans. Même les propos dans ce cas-ci. On a vu la blanche là. Donc si nous votons au Congo une loi condamnant le tribalisme, je pense que le Congolais va se remettre sur là. Bon, est-ce qu'on va. C'est une des solutions. Bon, ok. Je ne sais pas, nous avons. Je ne vais pas ajouter aussi là-bas. Est-ce qu'on peut avancer avec le développement du Kassai? Exactement. Bon, maintenant, la question qu'on va poser ici, c'est la question du développement du Kassai. Nous avons vu le Kassai être derrière la masse des gens qui quittent. On ne comprend plus. Nous avons les aînés kassaïens qui étaient au pouvoir. Nous avons des projets qui ont été laissés comme ça, qu'on n'a pas continué, et ça fait chuter le développement. La question est de savoir, selon vous, pourquoi il y a eu tout ça? Qui va développer cette thématique? C'est la question, pourquoi, en étant arrivé là, qu'est-ce qui se passait? Les Balouba ne veulent pas construire chez eux. Bon, c'est comme disait Maman Kanko, et tout est parti du temps colonial. Le Belge avait vu que dans les Louba, il y avait le leadership, l'entrepreneuriat, il y avait. Il y avait des caractères d'un homme qu'on ne peut pas manipuler. Un homme structuré, un homme qu'on ne peut pas manipuler facilement. Alors l'homme là, en plus de ces gens, il faut chercher à les déstabiliser, à les diviser. Quand ils ont divisé, alors maintenant ça crée déjà un problème au niveau de notre population, entre nous-mêmes, le peuple Louba. Vous comprenez, ils ont essayé à Louabourg de diviser le Loua et le Loubilange.
fournir la même société. Alors maintenant, qu'est-ce que je vous jette? Alors chez nous là-bas, il y a un problème. J'ai pris aussi le même truc que j'ai fait au Kasaï, donc à Mbujimayi. J'ai acheté les histoires au Katanga pour ramener au Kasaï pour implanter. Mais je me suis plutôt avec un problème du courant. J'avais un atelier mécanique et une usine là où je pouvais faire aussi ces histoires et fournir la même société qui était à Mbujimayi. Mais ça nous a fait que nous n'avons pas eu du courant d'électricité hein, qui était déjà. Donc on était défavorisés par les autres gouvernements. Pourquoi? Parce que les Kasaïens aussi s'est retrouvé dans l'opposition qui s'opposait au pouvoir de Mobutu. Alors ça nous a coûté, hein, ça nous a coûté pour que nous puissions nous retrouver dans la situation d'aujourd'hui dont nous sommes. Victimes. Ça, c'est un peu en l'air que j'ai donné le point et puis on peut changer. La première pas. Question. Je me demandais si les choses n'évoluent pas. Okay. Après vous allez prendre. On rentre encore à ce que maman suggéré à comment ce qu'elle avait dit. Il y a à la base, nous avons. Oui, la base, merci. Ce sont les neiges. Ce sont les neiges. Il y a à peu près 3 ou 4 secteurs. Mm-hmm. L'énergie, l'eau. Oui. Hein? Oui. Encore. Les routes. Vous savez, pour qu'une ville puisse se développer, mm-hmm. vous avez besoin de ces 4 ou 3 secteurs. Exact, oui. Maintenant, on nous a privé de tout et de rien. C'est quelque chose qui a été déjà écrit dans des livres, déjà implanté. Le président qui viendra. Les enfants qui viendront, les directeurs, les fonctionnaires qui viendront, les Kasaï ne peuvent pas se développer. Et ils ont voulu même diviser les Kasaï entre eux-mêmes. Vous comprenez? Alors, c'est un problème belge. Le malheur que nous voyons aujourd'hui au Katanga et nous voyons aujourd'hui chez nous au Kasaï, ce sont les Belges. Ok, et une question. Yes. Une question. Est-ce que nous avons encore les Belges chez nous? Nous sommes toujours sous l'influence des Belges? Est-ce que le Belge nous a empêché de cultiver notre terre? Tu sais quand il y a parce que l'histoire est là. Nous connaissons l'histoire. Mais aujourd'hui nous sommes un pays, un État indépendant. Est-ce que les conséquences allons-nous subir? Allons-nous toujours crier que non, ce sont les autres qui ont fait à ce que nous soyons comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons? La question est de savoir qu'est-ce que le Kasaïen fait de concret pour que la situation change. Oui, nous avons des solutions. Et quand il y a un plan maléfique, un plan maléfique, il y a un système qui s'installe. Ce système-là reste dans le sang. Vous comprenez? Ce système-là reste dans. Donc, nous allons vivre avec ce système-là. Non, nous ne pouvons pas lire. Nous avons maintenant des solutions. C'est pour cela que nous sommes ici. Okay. Là. Posons ces questions, c'est quoi les solutions? Non, nous allons passer aux solutions. Nous étions dans ce que maman disait. Nous allons à la source. Nous comprenons la source, c'est quoi? Nous avons trouvé que les Belges nous ont divisés. Nous avons trouvé que le système qui était est ancré à nous pour que nous ne puissions pas développer chez nous. La faute devient à qui? Je veux vous informer une chose que vous ne connaissez pas. Nous, les Kasaï, nous avons même peur de nous réunir nous-mêmes entre nous. Parce que si on se réunit, on taxe des tribalistes. Tu connais ça? Quand les Katangé et les Bangui se réunissent, Mpangi, ce n'est pas un problème. Mais si peut-être un ministre, un gouverneur, un individu réunit les Kasaïens, les Kasaïens, plateforme de Kasaïens à la télé, Balumawana. Comme les Banyarwanda qui se réunissent, sont les taxes aussi des Rwandais. Oui, c'est un système que les Belges ont laissé. Okay. Là, ce système s'est impliqué dans les têtes des Congolais. Ok, maintenant, nous savons que le Belge a mis le venin qui nous divise. Je pose encore la question de savoir, nous connaissons que l'électricité c'est la base du développement. Nous sommes des intellectuels, nous avons étudié, nous avons parmi les Kasaïens des grands